Bonjour à tous et à toutes, c'est Vitesse et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo hors jeu vidéo puisque je vais vous parler d'animé puisque ça fait maintenant plus de 1 an que je regarde des animés. Tout au commencement en fait ça a commencé le 26 janvier 2020. C'était un jour où, c'était une époque surtout où je jouais essentiellement à Pokémon Épée Bouclier. Limite ça remonte à 1 an en fait. Et un soir j'avais pas envie de jouer. Et je voulais faire quelque chose, mais j'avais pas envie de jouer en fait. Je voulais pas faire du Pokémon ou n'importe quoi d'autre. Du coup, je me suis dit pourquoi pas regarder un film. Du coup, c'était le dimanche 26 janvier. J'ai tapé sur Google film d'animation japonais. Et c'est surtout ça que je précise. Je voulais voir un film d'animation japonais, pas un cartoon américain. Du coup, sur Google, film d'animation japonais. Et Google me sort plus ou moins une liste des recommandations, on va dire, comme ça, une liste par défaut. Et du coup, bah, ne sachant pas par où commencer, puisqu'il y en a sûrement des tonnes, enfin, il y en a sûrement, à l'époque, je pensais qu'il y en a sûrement des tonnes, mais oui, c'est le cas, il y en a vraiment des tonnes. Donc, je regarde juste mes petites notes, voilà. Et du coup, sur Google, il y a en recommandation, en toute première recommandation, le film Les Enfants du Temps, qui était sorti en 2019, donc on était tout début 2020, et trouvant des méthodes pour voir du coup Les Enfants du Temps en streaming, mais impossible de le trouver ce film. Que ce soit en VF, en VOSTFR et en VO, bon après évidemment, à l'époque je connaissais pas encore vraiment l'univers de la VOSTFR, puisque c'est essentiellement de la VF que je voulais voir. Et du coup, bon bah le film introuvable, je fais bon bah je laisse tomber, le film il est trop récent. On ne peut pas le trouver en streaming. Du coup, le deuxième film qui était recommandé, c'était le film Your Name. D'ailleurs, j'ai acheté les mangas par la suite. Et du coup, Your Name, là, en faisant Your Name Streaming, c'était beaucoup plus simple. Et je suis tombé sur un site de streaming, d'animé. Du coup, j'ai vu le film et franchement, il est génial hein, ce film. Au niveau de la qualité graphique, nickel. Il y a juste un moment quand la météorite tombe, j'ai dû faire pause quelques secondes pour bien savoir ce qui s'est passé. Et du coup, Your Name, je l'ai vu à peu près le dimanche après-midi. Et le dimanche soir, j'avais envie d'en regarder un autre. Du coup, j'ai pris le troisième film que Google me recommandait, et c'était A Silent Voice. Pareil, pour le coup, j'ai aussi acheté les mangas, et honnêtement, j'ai plus préféré Silent Voice que Your Name. D'ailleurs, Silent Voice, j'ai dû le regarder une deuxième fois, je sais plus quand. Mais c'est vraiment le seul film que j'ai vu 2 fois presque de suite. Et du coup, donc, on arrive le lundi. Et le lundi, donc je rejoue à Pokémon, je sais plus ce que je faisais, soit je faisais la chasse aux baies pour faire l'écurie, mais j'avais pas envie de jouer beaucoup, j'ai dû jouer peut-être une petite heure le lundi, et arrivé vers 20h, j'avais plus envie de jouer, et je me suis dit, bah, j'ai envie de revoir encore un autre film. Donc bah, évidemment, j'avais pas revu Silent Voice ce jour-là. Du coup, je retape sur Google, je prends le quatrième film qui m'est recommandé, et le film c'est ouais, Summer War. Enfin bon, bref, en gros, vous avez compris le délire. Et au début, je voulais voir que des films en VF. Et c'est pour ça que j'ai dû voir à peu près une dizaine de films en VF. Au début, je suivais les recommandations que Google me faisait jusqu'à un moment, genre après Summer War, c'était quoi? 5 centimètres par seconde. Et après, je crois qu'à partir de 5 centimètres par seconde, j'ai continué. Mais en choisissant les films qui étaient sur le site de streaming, puisque à force de regarder ces sites, enfin ces films plutôt, donc Your Name, Silent Voice, Summer Wars, je suis tombé 3 fois sur le même site de streaming d'animé. Du coup, bon bah sur ce site, je me suis mis en favori. Alors honnêtement, je vais pas vous énoncer les noms de ces sites, parce que je dois en avoir une quinzaine, mais il y en a que 5 que j'utilise, et honnêtement, j'ai des gros doutes sur leur légalité. Donc je tairai leurs noms. Et du coup, bah j'en regarde quelques-uns et arrivé à une dizaine. Ah non, oui, à ce moment-là, j'ai vu un seul film en VOSTFR, et c'était la première fois que je voyais un film en VOSTFR, c'est Je vais manger ton pancréas. J'ai dû le voir, ouais, peut-être dans le 7e. Et ce film me tentait, mais n'était pas disponible en VF. Et du coup, ouais, c'était mon tout premier film vu en VOSTFR. Par la suite, j'ai pu le revoir en VF puisqu'il est sorti en VF. Et arrivé un moment, il n'y avait plus de films qui m'intéressaient à regarder. Du coup, bah, je suis allé dans les séries, puisque on était un samedi. Et c'est uniquement le samedi où je pouvais regarder des séries, puisque bon, maintenant, avec le temps, en 1 an, une série de 12 épisodes avec des films de à peu près 23 minutes, dont 1 minute 30 d'opening et 1 minute 30 d'ending en les sautant. Ça, je précise bien, il y en a qui les regardent, mais au début, je les regardais juste pour le premier épisode, mais après, je les ai tous sautés. Une série, ça peut durer 4h40, en sautant tous les openings et l'ending
en rushant vraiment les 12 épisodes à la suite, à peu près 4h40, 4h20 quand l'épisode est un peu plus court. Mais du coup, à peu près vers mi-février, du coup, je décide de regarder ma première série. Et ma première série, ce fut... comment ça s'appelle? Ah oui, My First Girlfriend is a Gal. Donc bon, bah, évidemment, c'est un ecchi. Mais le truc, c'est que c'était une série... Enfin, c'était quasiment la seule série avec 10 épisodes. Et c'est surtout pour ça que je l'ai choisi à l'époque, parce que toutes les séries étaient à 12. Et honnêtement, je connaissais que les One Piece où c'était vraiment des séries infinies. Et même en fait, je me disais comment une série finit ou à quel moment finit une série. Et je m'étais jamais vraiment posé la question. Et du coup, en regardant cette série qui était la seule avec 10 épisodes, puisque bon, bah, faut bien commencer à un moment, du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais commencer avec la plus courte. Et bon, bah, niveau ecchi, fin de service, bon, bah, on est à peu près servi. Et bah, j'étais un petit peu étonné sur le fait de voir. Je finis l'épisode 10. Et pof, ça finit, en fait, il n'y a plus de suite. Bon, après, j'ai vu qu'il y avait un OAV un peu plus tard. Mais ouais, enfin, franchement, c'est étonné de voir qu'il y avait 10 épisodes et que ça s'arrêtait. Bon, je pense qu'il y a peut-être un manga, pour ça, j'ai pas regardé, et que ça continue. Ensuite, après, par exemple, dans les recommandations, il y avait The Quintessential Quintuplet. Alors, franchement, oh, cette série, ah, mais je me suis vraiment bien fendu la poire. Et bah, du coup, cette série, j'ai voulu quand même en savoir un peu plus. Et c'est là où j'ai découvert qu'il y avait... un manga et la série faisait vraiment que les 4. Non, attends. Si, ouais, la série de 12 épisodes faisait que les 4 premiers volumes du manga sur les 12 de la série. Et bon, en gros, en fait, c'est ça. Le week-end, je me regardais une série. Non, deux séries par jour. Donc, 4 séries le week-end. Ou. Non, ouais, le vendredi soir, c'était une série. Le samedi, c'était deux. Et le dimanche, je regardais qu'une. Parce que le dimanche soir, j'avais pas le temps. Du coup, je faisais ça, je faisais genre 4 films, 4 séries par semaine. Du coup, bon, bah, j'en suis arrivé au total, un an après, à un total de 530. Alors évidemment, il y a le confinement au mois de mars qui a beaucoup aidé ça, puisque bah, je regardais 2 animés par jour, un film et une série. Puisque le soir, bah, quand je finis ma journée de boulot, je suis déjà à la maison, j'ai pas le trajet à faire. Donc, du coup, bah, c'est du temps de gagner pour voir un animé, par exemple. Et pareil, le matin... Limite, au moment où je me lève, je suis déjà au boulot. Donc voilà, c'est... je gagne beaucoup de temps. Honnêtement, j'en ai quand même bien profité pendant le premier confinement de voir des séries. Enfin, des films aussi, des animés en tout genre. Et bah, j'ai vu à peu près pas mal de trucs. Enfin, pas mal de trucs, oui, j'en ai vu 530. Mais j'ai vu des thèmes différents, voilà. Alors, pour moi, le thème de base d'un animé, c'est le romance school life tranche de vie. Si vous ne savez pas par quoi commencer, un romance school life tranche de vie, c'est la base. C'est comme le type normal dans Pokémon. C'est le truc neutre. Tu peux pas faire pas moins bon, mais tu peux pas faire plus banal, en fait. Voilà. Et après, suite à ça, si vous dites « Oh, je préfère qu'il y ait plus d'action, qu'il y ait plus de sport », bon, bah, là, vous vous dirigez dans des thèmes plus variés. Des animés que j'ai bien aimés, il y en a foison. Il y a des animés où il y a beaucoup de ecchi. Malheureusement, il y a des animés où il n'y a pas d'ecchi. Tant mieux, du fanservice, bon, bah, tant pis. Pareil, au tout début, j'ai vu... alors, ce que je faisais aussi pour les séries, je regardais des vidéos YouTube qui recommandaient des animés. Et par exemple, il y a un animé sur l'agriculture. Et c'est le seul et unique animé sur ce thème-là que j'ai vu. Si je le retrouve, parce que ça, c'était dans le tout début. Comment il s'appelle? Si je le retrouve, Norin. Voilà, c'est un animé, c'est Norin, sur l'agriculture, qui est sur une chaîne YouTube qui était recommandée. Je l'ai vu, c'est très bien, mais malheureusement, il y a du ecchi, et c'est ça qui me pose un peu problème. C'est que le ecchi, t'en mettre juste pour te tenir un petit peu attentif, c'est bien, mais à force, c'est chiant en fait, surtout quand au bout d'un an, t'as un peu ras-le-cul de ça. Mais voilà, on peut pas faire autrement. Il y a des séries que j'ai vachement bien aimées ici. Il y a The Quintessential Quintuplet, hein, j'arrête pas de parler de ça, mais aussi Gleipnir. Ah, Gleipnir, c'est vraiment une série, je m'y attendais pas en fait. Je suis pas trop fan du type horreur vampire. Démons, parce que j'ai vu des séries oui, sur les démons surnaturels. Ah, franchement, j'ai dû m'accrocher pour finir. Mais là, Gleipnir, ah, mais j'ai vachement accroché. Et maintenant, bon, après, il y a plein de trucs où j'ai accroché, mais il y a des séries, ah, franchement, j'ai pas aimé du tout. Alors, tout d'abord, il y a une série, je suis mitigé. J'étais au courant de la fin, j'avais connaissance de la fin, mais je savais pas que c'était cette série. La série, c'est School Days. Et honnêtement, quand j'entends School Days et quand j'entends le nom de Makoto, que ce soit quelqu'un qui s'appelle un japonais qui s'appelle Makoto, j'ai toujours cette image de School Days dans la tête. Pour moi, Makoto, c'est le personnage le plus... c'est un gros connard. Hein, c'est le plus gros enfoiré des animés que j'ai pu voir en tant que personnage principal.
Bon, je veux pas vous raconter le truc. Enfin, bon, en gros, il se tape genre 10 filles en 10 épisodes. Et puis, bon, bah, vient l'épisode 12. Et je vais pas spoiler, mais bon, en gros, quand j'ai vu la fin, quand j'ai vu ce qui allait se passer à l'épisode 12, je me suis dit, ah, mais oui, j'ai déjà vu ce truc-là dans des vidéos où, genre, ça finit mal. Bon, bah, voilà, je vous laisse voir l'animé si vous avez pas vu. Ça, c'est vraiment l'animé avec le personnage que j'ai le moins aimé. Ça, c'est Makoto. Franchement, lui, j'ai détesté. Et il y a une série, par contre, quoi qu'il arrive, je ne la reverrai plus jamais. Au White Album 1, voilà. Faut pas que je dise de conneries, parce qu'il y a au White Album 2, qui est très très bien. Franchement, un school life parfait. Mais alors, White Album 1, avec deux saisons. Oh là 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 là. Alors, là, White Album, pour moi, c'est l'animé le plus réaliste possible. Un mec qui galère dans la vie, qui galère pour s'en sortir, qui a une vie un peu misérable au niveau du boulot, au niveau de sa vie personnelle, romantique, tout ça. Il a une copine qu'il peut pas voir. Et en fait, je me dis que je suis le premier à dire, j'aime bien voir un animé assez réaliste. J'en ai vu un, White Album, et franchement, non, j'ai pas accroché. J'ai dû voir la série en deux fois, tellement je me suis endormi pendant l'épisode, j'ai lutté pour finir l'épisode et pour aller me coucher après, parce que c'était pas possible. Et ça, sur les deux saisons, le total de 24 épisodes. Et franchement, dans White Album, j'ai tellement pas aimé cet animé. C'est trop lent. Le personnage est trop dépressif. T'as limite envie de le pousser pour vas-y, mais avance, quoi, au lieu de réfléchir à est-ce que j'avance ou pas. Donc voilà, c'était un petit peu mon ressenti sur des animés que j'ai bien aimé. Ah tiens, je viens de tomber aussi. Le tombeau des Lucioles. Voilà, par exemple, ça, c'est un film assez dramatique sur la guerre et tout ça. J'ai apprécié, mais le tombeau des Lucioles, par exemple, c'est un film que je ne veux pas revoir une deuxième fois, puisque je n'ai pas envie de faire mourir une deuxième fois la petite sœur dans le film. D'ailleurs, je ne sais plus comment elle s'appelle. Également, les séries, donc sur les 530, évidemment, il y en a des plus longues, il y en a des plus courtes. La plus courte, c'était une série de 5 épisodes qui faisait chacun une minute. Et le plus long, si je me trompe pas, ça devait être genre To Love Ru. Je sais plus laquelle saison de To Love Ru, mais en tout, il y a eu 31 épisodes. Et bah, ça a duré quasiment 12 heures. Au moins 11 heures facile. Ensuite aussi, petit point que je précisais dans la façon dont j'ai regardé les animés. Quand un animé avait deux saisons, donc par exemple White Album 1, il y a eu la saison 1 puis la saison 2, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai commencé à regarder des animés, c'était soit des films, soit des séries uniques, avec pas de deuxième saison. C'est vraiment à partir de l'annonce du premier confinement où j'ai commencé à regarder des séries avec plusieurs saisons. Et pour ma part, je regardais la saison 1, mais je ne regardais pas la saison 2. Et ça sur énormément d'animés, et c'est à partir de fin juin, quand pour ma part le confinement s'est fini, c'est à partir de fin juin où je me suis dit, bon bah le confinement est fini, j'ai découvert plusieurs films, j'ai découvert plusieurs séries, maintenant je vais regarder les saisons 2. Du coup, bah, pendant genre un mois et demi, j'ai pas découvert de nouvelles séries, j'ai regardé toutes les saisons 2, saison 3, etc. que j'avais en attente. Également, je viens de voir des films live, par exemple, le premier exemple que j'ai en tête, c'est Prison School. Prison School, j'ai vu la série avant le premier confinement, mais la série live n'était pas vraiment disponible en VOSTFR sur Internet, ou alors c'était que quelques épisodes. Puis après, j'ai trouvé un site où la série live était dessus, et j'ai regardé les séries live pendant le confinement, et certaines sont bien représentatives de l'animé, il y en a, c'est bien fait. Il y a aussi Yamada et les 7 sorcières, par exemple, où contrairement à l'animé, là, la série live se passe intégralement au lycée. Et il y a d'autres séries live où ça reprend pas forcément à fond l'animé, ou alors en tout cas tu vois que par exemple quand un personnage a les cheveux rouges et que dans la version live bah, c'est une japonaise avec les cheveux bruns, enfin les cheveux marrons. Et ça, en fait, c'est surtout choquant entre guillemets quand le personnage a soit les cheveux rouges blondes ou les cheveux argentés et que tu retrouves avec une fille bah, vraiment normale. En fait, tu vois que il y a certains clichés d'animés qui sont pas réalisables en vrai. Également, un autre point, c'est après le confinement, du coup, j'ai vu les saisons 2 de mes animés. Et après avoir vu les saisons 2, je me suis dit que si j'ai une série à voir avec plusieurs saisons, je regarderai ces saisons une à la fois. Donc, par exemple, c'est le cas de la série Natsume Book of Friends.
C'est une série qui a 6 saisons et un film. Et du coup, j'ai fait ça pendant. Non, pas pendant des vacances, mais pendant une semaine. Ce que je faisais, c'est que je regardais la saison 1 le lundi, la saison 2 le mardi, saison 3 mercredi, etc. La saison 5 le vendredi. La saison 6, j'ai vu ça le samedi. Et du coup, le film, je l'ai vu le samedi soir. Ah oui, j'ai aussi vu un drama. J'ai vu un drama chinois cette année. C'est Memory Lost, voilà, un drama plus policier quand même. Je pense que je regarderai un deuxième drama en 2021. Un autre point, je pense que ça va être le dernier, je ne sais même pas à combien de points j'en suis, c'est des films, enfin ouais, je parle bien de films vus en VOSTFR que j'ai par la suite vus en VF. Donc il y en a deux, je crois, deux ou trois. Il y a Les Enfants du Temps, donc le tout premier film qui m'a été recommandé sur YouTube, sur Google, mais introuvable. J'ai réussi à le trouver au bout de 4 mois. Je l'ai vu en VOSTFR, mais j'avais envie de le revoir en VF. Après, il y a quoi d'autre? Ah oui, Je veux manger ton pancréas. J'ai bien aimé ce film, je l'ai vu en VOSTFR. D'ailleurs, c'était mon tout premier film vu en VOSTFR et je l'ai revu en VF. Et il y a également un film. Alors, le film, c'est Loin de moi, près de toi. Je l'ai vu en VOSTFR et genre moins de 3 semaines après, il était disponible en VF. Mon top 5 de mes films animés préférés que j'ai vus durant cette année. Bon, je pense que je les ai déjà tous énoncés. Donc le premier, c'est Silent Voice. J'ai les plus préférés à Your Name, que je mets en deuxième. Donc premier Silent Voice, deuxième Your Name. En 3, je mets Je veux manger ton pancréas. Et pour ces trois séries, non, pour ces trois films, j'ai acheté les mangas, donc avant qu'il y ait eu le Covid et tous ces problèmes de confinement, par chance, mais après, de toute façon, je pense que les scans sont disponibles sur Internet. En quatrième, je vais mettre Les Enfants du Temps. Et en cinquième, alors j'ai eu du mal, honnêtement, à faire le cinquième, je ne savais pas trop quoi mettre, mais je pense que le film Loin de moi, près de toi fait partie de mon top 5. Donc en premier, Silent Voice, de Your Name, en 3. Je veux manger ton pancréas, en 4, Les Enfants du Temps, et en 5, Loin de moi, près de toi. 5 films que j'ai vus en VF, dont 3 déjà en VOSTFR, puis après en VF. Également, encore un autre petit point, je ne sais même pas combien j'en suis, je ne sais pas s'il en reste encore. J'ai commencé ce marathon d'animé par Your Name, que j'ai commencé le 26 janvier 2020, voilà. Et le dernier animé de ces 1 an, c'était Les deux OAV de Gum. Et je voulais finir par Gum, puisque j'ai déjà vu hein, les OAV deux fois même, donc en tout ça fait trois fois. Il y a un an, c'était le 25. Ça a commencé le 26 et ça s'est fini le 25 janvier 2021. Et je tenais à ce que ce soit Gum qui soit le dernier animé vu pour les un an. Donc voilà, c'est tout. J'ai dit tout ce que j'avais dans mes petites notes. J'ai dit beaucoup de choses que je n'avais pas mis dans mes petites notes parce que ça faisait trop de petites notes à écrire. Voilà, après, je ne vais pas vous faire la liste des 530 animés films. Animé série ou animé OAV vu durant ces 1 an. Il y a un peu de tout. Il y a des animés de sport, etc. Du shoujo, du shonen. Yui, il y a un. Je crois, genre, j'ai dû voir un yaoi, donc un boys love. J'ai dû en voir un seul. Parce que c'est pas trop ma tasse de thé, hein, les boys love, honnêtement. Donc voilà, en gros, ça va être tout pour ce petit résumé d'avoir vu 530 animés en 1 an. Donc c'était un par jour. Plus. Grâce au confinement, à cause plutôt du confinement, également je voyais 2 séries par jour quand j'étais en vacances, 2 séries par jour le week-end, samedi, dimanche, le dimanche j'essaie de faire une série un peu plus courte. Donc voilà, je pense continuer dans cette lancée, je ne sais pas quand est-ce que je m'arrêterai. Peut-être ralentir, je pense que oui, je ralentirai un petit peu mon rythme, mais l'arrêter, je pense pas. Donc en tout cas, c'est tout pour cette vidéo où je vous raconte un petit peu. Le fait d'avoir vu 530 animés en 1 an. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!